Voilà, depuis hier, 10 février, on démonte la G1. Donc voilà, hier ils ont démonté la flèche et la contre-flèche. Et aujourd'hui, ben, ils attaquent le reste. Donc voyons s'ils terminent aujourd'hui de démonter. Ils sont avec la grue mobile. Ici. Là, pour le moment, ils sont en train d'enlever les restes de base. Les contrepoids qui sont au pied de la grue, en fait. Qui tiennent la grue au sol. Voilà. Donc, hop, ils les lèvent pour les charger sur le camion. Alors, il n'y a pas trop de place sur ce chantier, c'est pour ça que c'est galère. S'il y a mo moyen de démonter une grue dans la journée, mais là, ici, ils ont galéré, du coup, ils en ont pour 2 jours, quoi. Donc une petite PPM, ils ont fait venir une petite grue mobile de 100 tonnes. C'est une 100 tonnes, ouais. Qui est un peu limite. D'ailleurs, il disait le pilote. Il disait qu'il aurait été largement plus à l'aise avec une 120 tonnes. Que là, hier, il était un peu limite sur la... En levant la flèche et tout à bout de bras. Voilà. Alors, il y a pratiquement 100 tonnes en lest comme ça, là, en contrepoids à virer, quoi. Je ne sais pas combien ils y foutent sur un camion, mais ça va faire quelques camions. Et voilà. Hop. Est-ce qu'ils font? Ils lui rattachent juste celui du haut pour le décaler. C'était quoi? Ah oui. Il les a pris par deux et après il en fout un décalé derrière. Heureusement qu'on les a, ces petites grues mobiles aussi, là, parce que... Sinon, on ne pourrait rien faire, quoi. Le pilote de la grue mobile, c'est un jeune que j'avais déjà vu pour le montage d'une grue. C'est un jeune, il est super bon. Donc voilà comment ils enlèvent ces contrepoids.
Et après, eh bien, ils attaqueront la tour, on verra ça après. Allez.